Gatsu, qu'est-ce que tu fais? Ah bah voilà, Yoshi's Island, allez hop. Allez hop. Gatsu, que fais-tu? Qui a-t-il? Pourquoi ce skin? Oh, Gatsu, il veut me faire plaisir là. Oh là, Gatsu. La Gatsu, il veut me faire plaisir. La Gatsu, il a envie de kiffer. La Gatsu, waouh. Waouh. Et bah, effectivement, on va. Mais pourquoi il a 2 MP? J'étais en train de régler le pseudo de Chacha sur le l'overlay. Comme ça il était assez grand. Je remets mes yeux sur la game et je le vois à 2 MP. Gatsu, t'as un problème. Gatsu, tu as un souci. Tu arrêtes d'utiliser cette putain de barre. J'en ai marre. Ah, ça me fume. Allez, vraiment, le jour où Gatsu saura gérer son mana, ce sera un jour béni des dieux. Qu'est-ce qu'il est encore à 4, c'est incroyable. Oh là là là. Mais bon, effectivement, du coup, il va affronter, eh bien écoutez, oui, le Joker de Chacha sur Yoshi's Island. Alors moi, il faut savoir que Yoshi's Island, c'est pas une mauvaise map pour héros. Yoshi's Story, c'est pire. Yoshi's Island, c'est quand même bien, bien sympatoche. On apprécie. En fait, ça va être une map qui va être relativement correct niveau taille, du coup ça va, ça nous laisse le temps. Et c'est la même mélodie que Smashville. Il est pas forcément mauvais le sur Smashville, c'est juste que bah, forcément c'est la taille du stage qui me gêne. Donc là ça va. Yoshi's Island, nous c'est ok. On se fait pas trop niqué par les pentes. Peut-être genre par exemple les petits personnages qui peuvent le profile de Zapple, peut-être. Mais sinon, pas de soucis. Voilà. Par contre, il est contre un match-up vraiment très très dur. Hein. Joker, c'est l'un des plus durs, mais vraiment c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas simple. Alors, par contre, le match il est super serré pour commencer là. Vraiment, il est super serré. T'as pas de buff, ça tuera pas. Voilà. Là, on a 170 à 112. Ça ne veut pas mourir. Chacha qui attend bien. Voilà. Ça se sentait là. Le smash, il l'avait envie. Du coup, il est à 180. Il galère un petit peu à tuer Gatsu là. Il galère un petit peu à tuer. Je pense qu'il cherche un petit peu trop de contact. Hein. Franchement, il devrait juste le laisser. Voilà, là ça va tuer. Up-throw. Voilà, là ça tue. Mais oui, hein, clairement, on va voir. Alors, bien vu le petit nerf. Aïe. Ouais, pour l'instant, en vrai, ça se tient. Hein. Pour l'instant, ça se tient même plutôt pas mal. Hein. Ok, dommage, on a déjà vu en shield là. Faut savoir que d'ailleurs, les coups en shield de héros, ils redonnent plus de mana si on tape en shield que si on tape sur le mec. Voilà, faut le savoir. Si vous bourrez le shield avec les héros, bah, vous aurez plus de mana. Ah, mais c'est ce qu'il doit faire Gatsu. C'est ça qu'il doit faire Gatsu. Bien sûr. Ah là là. Ok. Bien vu, le zombie qui a été raté. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression que Gatsu a vraiment du mal à deal avec, avec Joker. Hein. Avec ce Joker qui est assez, comment dire, handicapant. Oh, Frizzle, ça clanque avec Aegon là, t'es sérieux? Ah ouais. Ok, on va pas toucher Katsushi ici, on a encore plus de mana. Toujours très très serré le match. Hein. Ouais, quelque chose. Non! Il a raté la tête! C'était up smash! C'est pas grave. Gatsu qui a encore raté ici. On trouve du freeze. Mais qui ne connectera dans rien du tout. Vraiment, là, on a. On a un match qui est encore une fois extrêmement serré. La backer? Non, raté les gardes. Rah, c'est ça qui aura pu trouver le kill là. C'est bien dommage. Ah, et bonsoir. Bonsoir, Ayo. Il y a Silence qui arrive, qui se met en tout blanc. Incroyable. Et bien vu, Chacha pour le kill là. Nanae qui est là. Bien vu par contre le petit Caprice là. Toujours les Caprices en début de stock côté Gatsu. C'est pas forcément une mauvaise chose. Le problème c'est que Caprice il le fait uniquement en début de stock. Et C'est dommage. Enfin bon, pour l'instant c'est vrai que là il a repris un petit peu l'avantage des bons dégâts qui sont mis. Ouais. Oh dommage, il avait trouvé un superbe freeze. Là il pouvait au moins up-heal derrière. Ça aurait été très sympa. Aïe. On a bien vu ça. Allez, on fait quelque chose. Non, on va essayer de charger quelque chose au Ledgecraft. C'est pas trop mal, ça ne tuera pas par contre. On va reset le truc. On a failli en tuer. Oh, ça tue. Oh, ça tue. Il a tué le repère. Oh, il a tué le repère. Oh, aïe, aïe. Oh, il a tué le repère. Oh là. Oh, le repère. Le petit coup de pied dans les côtes là. Ah. Et oui. Et il faut le savoir. Le repère est un kill move. Le repère est un kill move, les gars. Bien sûr. Bien sûr, le EPR est un kill move. Il tue vers 120 hein, et genre proche du sol avec Psych Up. Hein. Le EPR est un kill move. Bien sûr. Depuis la sortie du perso.
Tu te gères ton Discord, tu te soupçonnes d'un troll aigu sur le FC Aioli. Quoi? Ah non, parce qu'en fait, non Ayo, ça c'est Aioli. Ça c'est Aioli ça. Genre c'est Aioli, c'est le mec, en fait il est laggy. Du coup, bah par exemple, il a le rôle laggy sur le Joker Cord. Et du coup, on l'appelle bien Ayolag ou Ayolagi comme ça. Et en fait, c'est juste, bah, t'as pris le même truc. Et c'est pour ça qu'en fait, en plus, dans le titre, Ayoli, j'ai mis avec un Y. Parce que son pseudo à lui, c'est fini par un Y. Ouais, je suis bête. Par contre, vraiment, j'ai remis les Yoshi, les deux Yoshi de suite, hein. Vraiment, Yoshi's Island, Yoshi's Story. Hop, là, elles sont de retour. C'est pas forcément des mauvaises maps, faut savoir les Yoshi, hein. Je sais pas pourquoi elles sont autant décriées. Yoshi's Island, franchement, j'ai rejoué dessus et j'ai bien dosé dessus. Franchement, c'est pas si horrible que ça, hein. Franchement. Franchement, y a pire, hein. Voilà. Yoshi's Story, c'est peut-être franchement une mauvaise map pour héros, par contre. On est d'accord, c'est une mauvaise. Elle est petite. C'est pas une bonne map pour héros, je ne pense pas. Mais par contre, l'eau, ça va bien. Ouais, oui. Non, tu l'avais. Non, mais qu'est-ce que... Il avait le coup de deux, il avait Bait. J'ai cru que pour une fois, il avait Bait son adversaire. Il faut savoir que pour Gatsu, Bait son adversaire. Ah, c'est quelque chose. Dommage, là, on a bien jump dans le back air. C'est pas toi qui doit mettre un arc fire au lèche sur une pente. Ah non, ça c'est bien. Ayoli, c'est un mec de level, c'est un main joker. Il joue Joker Billette. Tu peux demander à tous les levels, c'est Ayoli. Et il a une grosse queue de merde des fois. Les straps inexistants sur Yoshi's Island. Ouais, pour ceux qui ont des. Il y a même Yoshi's Story, ça peut être compliqué. C'est vrai qu'avec Belmont, Yoshi's Island c'est sa pire map. Yoshi's Story ça va, mais sa force est utilisée là où il est sur une certaine distance. C'est pas pareil, c'est un peu plus chiant à setup. Du coup, voilà, c'est chiant. Oh merci Fab du raid. Oh il a raid avec un groupe de 3. Oh c'est mignon. Oh c'est mignon, je t'avoue. Merci Fab de ton raid. Et bienvenue à la Dozen Eye. Aïe là 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 là. Bon, pour l'instant, hein. Pour l'instant, en vrai, là, bon, j'ai vu le bounce. En vrai, bounce contre Joker, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Franchement, c'est vraiment pas dégueu. Superbe fort d'herbe. Malheureusement, c'est Joker. Hein, donc, tu vas pas revenir comme ça, bien sûr. Mais, ouais, franchement, bounce, c'est pas dégueu. Ça empêche le side B d'utiliser side B à outrance en neutral, qui est quand même assez relou, un passe mytho. Voilà. Ah, par contre, vraiment, Gatsu qui a encore peu de mana. C'est dommage, il pourrait tellement être terrifiant avec beaucoup de mana. Oh, c'est vraiment incroyable. Hein. Il fait aussi assez peu de graves, je trouve, Gatsu dans son jeu. Par contre, c'est bien ça. Ça, c'est le premier. Ça, c'est dans les héros, avec Gemen, c'est le premier à l'avoir fait. Et depuis que. Depuis que je l'utilise, je vois à quel point c'est fort le souche en désavantage. Hein. C'est super fort. C'est l'un des rares seuls bons moves en désavantage d'ailleurs. Franchement, faut l'utiliser avec héros. Ça. Oui, on tente les choses. Bon, ça ne tuera pas, bien sûr. Dommage. Voilà un petit up-tilt, ça couvre les plateformes. Bang bang. Voilà. On a accélérateur ici. C'est pas trop mal ça. Aïe aïe aïe. Oula. Ah oui, par contre, ça prend la dash attack. La dash attack de Joker qui anti-air curieusement bien. Donc franchement. Oui, bon écoutez, hein, c'est comme ça, on va dire, hein, mais bon. Ouais, ça anti-air vachement bien cette attaque, faire attention. Ah le whoosh. Eh oui, le whoosh il reste. Boy. Boy. Ah là. Ouais, pas mal ça, ce petit whoosh encore. Vous voyez comment c'est fort, whoosh contre les roches d'angle. Whoosh et free, c'est giga fort. Voilà, hop. Et tu peux passer ta game à faire ça le temps que tu trouves une grosse ouverture. Hein. Y'a pas de problème. Voilà, bien vu le freeze. Dommage. Là, tu jouais un petit dash up tilt, c'est pas grave. Ok. Oui, voilà, bien. Ça, c'est cool ça. Ça, on kiffe. Le forward attack était parfaitement bien mis. Ouais, dommage, on a essayé de douiller avec le swoosh, tant pis. Pas mal. Oh bon counter. Bon counter, ça fait kiffer. Bon counter, c'est good, on apprécie. Ouais, dommage. Oh là là, c'est vrai qu'il faisait genre, là il touchait le upper, ensuite il enchaînait avec un fer, je promets, vous allez tous pop-off. Je promets. Le sous, ça tue. Ça tuera pas, ça envoie mal, ça envoie très très loin. Oh non, oh oui. Oh ce sniper. Oh, point faible, ce sniper. Oh là là. Wouah. Mais c'est incroyable. Vous arrivez sur un snipe génial de Gatsu qui remporte le premier set de ce soir de la Dozen Online. Et je coupe le record ici.